ciel. Whitetail Mountains, région libérée. Ça y est, il reste plus que Joseph. On s'est tous retrouvés dans la région pour différentes raisons. Mais ce qui nous a réunis, c'est le deuil. Des parents. Des amis. Ellie nous a offert une autre famille. Il nous a montré que... qu'on ne pouvait compter que les uns sur les autres. C'était mon ami. Il va beaucoup me manquer. C'était pas vous, Ellie le sait. Ellie pensait qu'on pourrait attendre. Patiemment. Cadence Gate allait disparaître. Mais non. Les enfoirés. Le cancer, ça meurt pas. Ça s'étend. Ça se répand. Il faut l'extraire. Ouais. Ces enfoirés de fanatiques pensent que la fin du monde est proche. Ils ont raison. C'est la fin de leur monde. Et on s'arrêtera pas tant que tous ces enfants de putain se balanceront pas au bout d'une corde. Un autre seau a été ouvert. Ma famille, mes frères, ma sœur et mon tous été enlevés par un serpent dans le jardin. Je pensais comprendre les plans divins. J'avais tort. J'étais aveugle. Mais maintenant, je vois. Tu m'as volé ma famille pour que je puisse avoir la tienne. Je te promets que nous l'accueillerons à bras ouverts. Tout comme nous t'accueillerons, toi. Et nous t'attendrons là où tout a commencé. Et je suppose que ça sera direction l'église. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que je vais avoir un choix, comme la plupart des Far Cry? La pire chose que ça pourrait être. C'est déloyal. Et ingrat. Blessure de guerre. C'est fait, normalement. Sauver l'officier, ok, 0 RP. Bon bah les gars, Jacob, on n'en parle plus. Bon. Alors maintenant, il va falloir que je sorte. Je pense qu'on arrive au bout du tunnel. C'est le moment de vérité. Il faut affronter Joseph Seed une bonne fois pour toutes. Il t'attend dans son église. Retour aux origines, je sais pas si je dois le faire maintenant, je sais pas. Je sais pas. Ah putain, elle était juste ici en plus l'église. Bon, allez, vous savez quoi? Je vais y aller. Je vais y aller. On va y aller, même, je dirais. Et si jamais c'est pas trop long, ça sera dans la même vidéo. Si c'est un peu trop long, je la couperai en deux, c'est pas grave. Advienne qui pourra. Seul l'avenir nous le dira.
On est parti, direction les origines, direction le domaine du père, direction l'église où on a failli l'enfermer. On va voir un petit peu ce que ça va donner. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Et générique de fin, vous savez qu'on prendra le temps de discuter de cette aventure. Vous donnerez vos avis, je donnerai le mien ayant fait ce let's play. Et on parlera de Far Cry en général. C'est parti, nous sommes plus qu'à 300 mètres. J'ai envie de sauter à l'ancienne. Hein. J'ai envie de sauter à l'ancienne, ça risque d'être terrible. Et ben, vous savez quoi, je vais le faire. Toujours écouter son cœur. Toujours écouter son cœur. Hop, on va piquer calmement. Et on atterrit. Putain, j'aurais tellement voulu atterrir comme ça dès le premier épisode, les gars. Ça serait ouf atterrir direct en parachute. Bon, allez, c'est parti. Je vais sortir le space, je pense. L'agneau ouvrit le cinquième sceau, et j'aperçus sous l'autel les âmes de ces martyrs, tués à cause de la parole de Dieu. Tu as fait des miens des martyrs, et je suis prêt à faire la même chose aux tiens. Mais Dieu nous observe, et il nous jugera en fonction des choix qui sont les nôtres. Je t'ai dit que nous vivions dans un monde au bord du précipice, où tous les affronts, toutes les injustices, tous nos choix révèlent nos péchés. Et où nous ont-ils menés? Où t'ont-ils mené, toi? Tes amis ont été enlevés et torturés. Et c'est ta faute. De nombreuses personnes ont été tuées, et c'est ta faute. Le monde est en feu, et c'est ta faute. Ça en valait le coup? Vraiment? Quand te rendras-tu compte que tous les problèmes ne se résolvent pas avec une balle? Quand tu es arrivé ici, je t'ai proposé de faire demi-tour. Et tu as refusé. Dieu m'en est témoin, je te réitère mon offre. Une dernière fois, dépose les armes. Emmène tes amis avec toi. Laisse-moi mon troupeau. Et repars en paix. Partir en paix? Non, mais vous êtes dingue. Vraiment? On n'aurait jamais dû venir ici, de toute façon. Tu sais ce que t'as à faire, petit. N'oublie pas. Dieu te regarde. Résister ou s'en aller, je vous le dis très honnêtement, il y aura peut-être 3 pertes, mais on va résister. Il est hors de question de partir, on n'a pas fait tout cela pour rien. C'est parti, je vais l'arracher, je vais lui mettre ce qu'il mérite. Et c'est dommage que je pourrais pas charger à nouveau la sauvegarde, histoire de voir le deuxième choix. C'est parti. Chaque affront, chaque injustice et chaque choix révèle notre péché. John se trompait. Ton péché n'est pas la colère. Tu préfères voir le monde souffrir et brûler plutôt que de ravaler ton orgueil. Quand l'agneau ouvrit le sixième sceau, alors la terre se mit à trembler. Le soleil devint noir et la lune.
bouge pas. Ok, c'est parti, on va essayer de l'arracher. J'espère qu'ils vont pas mourir. Waouh. Quoi? Attends, j'ai le temps de rien faire, frère. Ok. Relève-toi, relève-toi, c'est rien. J'ai pas envie de mourir. Je mérite pas de mourir. Casse-toi et bloque. Mais putain de merde. Ok, relève-toi. Oh là 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 là, c'est chaud ça. Et relève-toi. Allez, c'est rien les gars, c'est rien. On est reparti. Les trois sont réanimés. Je prendrai encore plus de plaisir à vous voir chuter. Ok. Allez, faut mourir, monsieur. C'était dingue. Mais je crois que c'est pas fini. Quoi? Bien sûr, tes gardes. C'est plusieurs chances, mais tu les as refusés. C'est okay. Toi qui as provoqué l'effondrement du monde. Ouvre les yeux. Ok, relève-toi. On va faire ça proprement, délicatement, sensuellement. Attends. Ok, relève-toi. Non, 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 d'où Jésus. C'est rien. Désolé, officier, je ne me contrôlais plus. C'est pas vrai. Je passe ma vie à relever tout le monde. Enculez-moi ça, putain. Allez, ça c'est fait. Ok, il en reste 3 encore, hein, je crois. Il en reste 3 et c'est fini. Allez, arrachez-moi ça. Oh, j'aurais pu lui faire une exécution de Jésus. Ok. Allez, casse-toi, casse-toi. Toi, t'es avec moi. Viens, ma sœur. Ok, viens, mon frère. Voilà. Oh, il y a tout le monde, hein. Il y a vraiment toute la famille. Viens, mon frère. Viens, mon autre frère. J'ai beaucoup de frères, hein. C'est tout... Oh non, pas lui, putain. Reste à terre, toi. Bon, c'est la merde. Allez, toi, t'es le meilleur. Allez, viens ma sœur aussi. Moi, je t'aime bien. What? Ok. Ok, on va y aller au space. J'ai mis ce qu'il mérite ou pas? J'ai mis ce qu'il mérite, mon pote. Et c'est la fin. Regardez-moi tout ce clan. Incroyable. Pardonne-leur, père. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand l'agneau ouvrit le septième sceau, le silence se fit dans le ciel. Et les sept anges debout devant Dieu reçurent sept trompettes. Il y eut du tonnerre, des éclairs, la foudre et Joseph un séisme. Cid, je vous arrête. Et j'entendis une voix forte venant du temple dire aux sept anges, allez votre chemin et versez sur la terre les coupes de la colère de Dieu. Ah. C'est fini, mon enfant. Amen. Oh mon Dieu. Amazing grace. How sweet.
qu'on doit y aller. Contre-toi de monter. Mais ferme ta gueule. Vite, fais-nous sortir de là. Allez. Nom de Dieu de merde. Ah ouais, d'accord. Oh, il a fait péter la nuque. Où que tu sois, quoi que tu sois en train de faire, fonce tout de suite au bunker, vite. Ok, bon, direction le bunker, je sais pas du tout où il est. J'espère qu'il est pas loin. Déstressez les gars, déstressez. Ils étaient prêts à mourir il y a 2 minutes et là, ça crie. Ça va, déstressez. Bon, hé les gars, je veux pas dire, mais tout à l'heure on était à peu près 15. Là on est plus que 5 dans la voiture. C'est bon, on est large. Quelques radiations, ça s'arrête aux frontières, hein, on connaît bien, vous inquiétez pas pour ça. Ah, il y a un autre champignon! Il avait raison, bordel! Ok. J'ai un timer de 2 minutes, c'est qu'à mon avis, le chemin, clairement, c'est pas à côté. On va voir un petit peu. Là, ça va, jusqu'ici, pas trop difficile. Je pense que j'ai le droit de me crash une fois, genre. Un peu comme les clutch Nixon. Genre, juste une fois. Hop, un petit raccourci, hein. Ça c'est cadeau, c'est nickel. Bon, c'est un délire, les gars. Ah non! Attends, elle a réussi à brouiller d'un coup là, sur place comme ça là. Ah, c'est vraiment l'Amérique, hein. On survit à ça, les frères. Ça c'est l'Amérique. Ah, on va être large. Juste accrochez-vous un petit peu. Et ben voilà, ensemble à jamais. On va pas y arriver. Regarde, là. Rejoignez le bunker de Dodge avant qu'il ne soit trop tard, c'est fait. Tu sais ce que ça signifie? Ça signifie que les politiciens se sont tus. Ça signifie que les entreprises ont été démantelées. Ça signifie que le monde a été purifié par le feu divin. Mais par-dessus tout, ça signifie que j'avais raison. L'effondrement a eu lieu. Le monde tel qu'il était a disparu. J'ai tant attendu. J'ai attendu si longtemps que la prophétie que Dieu m'a murmurée à l'oreille s'accomplisse enfin. J'ai préparé ma famille pour cet instant. Et toi, tu me l'as enlevé. Je devrais te tuer pour ce que tu as fait. Mais tu es tout ce qu'il me reste. Tu es ma seule famille. Et quand ce monde sera enfin prêt à renaître, nous avancerons dans la lumière.
Je suis ton père. Et tu es mon enfant. Et ensemble, nous marcherons vers l'Éden. Ah ! Ça finit comme ça ! D'accord ! D'accord, non, vous déconnez, les gars. Donc, tout le monde est mort à l'extérieur. Et on est, nous deux, enfermés dans le bunker, lui et moi. Bon, écoutez, si je dois décrire Far Cry 5 dans sa globalité, le jeu est magnifique. Il est très, très beau, très diversifié, cette fois-ci, dans les décors, les villes à capturer, les avant-postes, hein, etc., etc. Il y a quand même des points négatifs qu'il n'y avait pas dans les anciens Far Cry, malheureusement. Cette peur du vide, cette peur que le joueur s'ennuie, cette peur du blanc est horrible, vraiment horrible. Il faut que dans Far Cry 6, ils retirent immédiatement leur système. On n'est jamais tranquille. Un Far Cry, ça s'apprécie avec le regard, d'accord, et avec l'ambiance générale. Mais si je veux aller dans la plus haute montagne pour me faire un délire en wingsuit, je le fais. C'est de la kiff. Si je veux chasser en paix, je le fais. C'est de la kiff. En fait, le problème, c'est que, voilà, dans ce Far Cry 5, ils ont tout réuni. Tout, la chasse, les coéquipiers, tout ce qu'ont fait les anciens Far Cry, ils l'ont mis dans un seul jeu. Sauf que ça en crée quelque chose de trop brouillon. Il fallait prendre les meilleures choses des anciens Far Cry et le faire proprement. De façon à ce que si tu pêches, ça devienne une vraie activité intéressante où il y a plus de gains que de simples poissons. De façon à ce que si tu vas chasser, ça soit plus intéressant pour te crafter des choses parce que le côté craft a totalement disparu finalement. Et ça, c'est bien dommage. Trouver de la peau pour se faire, je sais pas, de quoi mettre plus de munitions, ça serait juste énorme. Maintenant, c'est les points de talent, mais les points de talent, on en avait limite trop, hein, on va pas se mentir là-dessus. Pareil, les points de talent, donc l'arbre de compétences, il est quasi inutile. Si dès le début, tu déverrouilles le wingsuit, le grappin, bah t'as quasi pas besoin du reste, à part porter une arme, une troisième arme, une quatrième arme. Et ça, c'est fort dommage. Il y a plein de trucs dans ce Far Cry 5. Ils ont fait un mélange de tout, mais ils l'ont pas très bien fait. Et c'est malheureux, c'est triste en fait, parce que la map est intéressante. Elle est diversifiée. Le côté trois régions, tu décides dans quelle région tu vas aller, hyper intéressant. La plupart des méchants sont quand même charismatiques, même si la région dans la drogue, c'était pas kiffant. Dès qu'il y a des alus et tout, ça gâche un petit peu le truc. Mais la première région, donc de John Seed, était incroyable. Jacob, j'ai bien aimé aussi. La map en elle-même est plutôt bien faite. T'as envie de circuler et tout. Par contre, tu peux te téléporter partout, c'est chiant. C'est-à-dire, il n'y a plus de passage vraiment sur les routes, il n'y a plus de découverte. Maintenant, tu te TP à un hélico, tu prends l'hélico, tu vas à ton point et si au passage tu vois un avant-poste, tu y vas. Ça, c'est dommage parce que ce Far Cry 5 aurait pu être incroyable. Il aurait pu être l'aboutissement de tous les Far Cry. Et là, malheureusement, à ce niveau-là, ça pêche un peu. Et c'est là pour moi les plus gros défauts de ce Far Cry 5 qui m'ont empêché de l'apprécier à sa juste valeur et de l'apprécier autant que les autres. Très clairement, le 3 était incroyable. Far Cry 3 était pour moi le meilleur. Ensuite, je dirais le 4, puis plus mal pour ce qu'il apportait, le côté préhistorique et tout. Franchement, ça a bien rafraîchi la licence, ça faisait plaisir. Mais le 5, voilà, le 5, j'ai un problème. C'est la peur des blancs, la peur que le joueur s'ennuie, donc on lui envoie plein de trucs dans la gueule. On met toutes les fonctionnalités, mais la moitié sont devenues quasi inutiles. Alors que normalement, un arbre de compétences, tu dois hésiter entre être peut-être plus fort, avoir plus de santé ou avoir si. Ça doit être de l'hésitation, mais là, il y a tellement de points de talent et tout que t'hésites même pas, t'achètes tout. Et bah, c'est bien dommage. Bon, l'intelligence artificielle et tout, on n'en parle pas. Les boss, ils auraient pu faire des trucs un petit peu plus sympas, vraiment. Ça reste trop scripté à mon goût. Mais voilà, j'aimerais que Far Cry 6, donc le prochain open world, y ait les meilleures idées, mais taffé au mieux. Voilà, offrir plus de possibilités à ce jeu d'aventure qui, franchement, le mérite. Ce Far Cry 5 est pour moi
le moins bien entre le 3 et le 4, le plus mal, clairement. Mais il était pas mauvais non plus, hein. Tout n'est pas acheté, je ne regrette clairement pas d'avoir fait cette aventure. Mais il y a eu du gâchis. Il y a eu du gâchis, clairement. Il y a eu beaucoup de choses gâchées. Si vous partagez mon avis, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous ne partagez pas du tout mon avis, n'hésitez pas aussi à le dire en commentaire. Dans le respect, la joie et la bonne humeur, évidemment. Mettez un maximum de likes parce que ça fait plaisir. Encore une fois, ça prouve qu'on n'a pas besoin de faire des dégustations pour qu'il y ait du monde. Et n'hésitez pas à faire un petit commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. Portez-vous bien. À la prochaine pour la suite, surtout de God of War qu'on a en parallèle et de Détroit. Ciao, ciao. Our distal's near, our neighbors thin and frail, as they disappear, let the chaos come, let our houses freeze, the lights will all go. The sky.